J'espère que vous allez bien. Un moteur de plusieurs secondes. On vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma maman. Oui, et de ma petite sœur. Le retour. Le retour. On vous a demandé sur Instagram de nous poser toutes vos questions. On va essayer de répondre à vos questions avec notre maman. Elle a accepté de jouer le jeu. Voilà. Ça va aller. Alors, est-ce que vous êtes prête? Ça y est, on est prête. T'es prête, maman? Ça y est, je suis prête. Flora, quelle est ta bêtise? Quelle est ta pire bêtise d'ado? Avec ta mère, mais je pense plus qu'elle est ta pire bêtise, mais on va laisser maman répondre. Oui, c'est avec ma mère, on n'a pas fait de bêtise. Et puis on va le dire, bon, ouais. Ouais, c'est clair. Mais quelle est plus la pire bêtise d'enfant, alors. Oui. Quelle est la pire bêtise que Flora a fait? Elle a coupé ses cheveux avec la copine. Elle voulait couper ses cheveux, je dis d'attendre samedi. Et elle ne m'a pas attendue. Je suis revenue du travail, elle avait déjà coupé tout le devant, sauf derrière. Parce qu'en fait, je voulais une frange, et du coup, j'ai les cheveux bouclés. Donc maman, elle me disait non, avec les cheveux bouclés, la frange c'est compliqué. Et un jour, elle a cédé, elle a dit ok, mais t'attends, on ira tout à l'heure, je crois. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Je t'ai amenée chez le coiffeur. J'ai pas attendu, la voisine c'était ma meilleure copine qui avait 8 ans. Elle est venue à la maison, Nisrine d'ailleurs. Elle est venue à la maison et comme on voulait couper une frange, mais comme j'étais en maternelle donc je savais pas comment couper une frange, on a pris les cheveux comme ça et on a tout coupé ici. Aïe aïe aïe. Surprise. Et j'étais trop contente. Elle me dit maman, regarde, j'ai une frange. Voilà. Maman, ses filles. Alors, j'aimerais savoir la pire bêtise de Habiba et de Flora à l'adolescence. Ah, les deux. Habiba, sa bêtise, elle voulait se faire défriser les cheveux aussi. On est toujours dans les cheveux. Toujours dans les cheveux. Donc, je travaillais, je dis à Habiba, moi chérie, tu es pour le week-end et comme ça, je te défrise moi-même. Ouais. Et Habiba était pressée aussi, comme Flora. Elle s'est défrisée les cheveux toute seule. Et c'était la cata. C'était la cata. Il y avait des trous partout. Et donc j'ai dû la ramener aussi chez le coiffeur pour essayer de rattraper. Tu le défrisant, je crois qu'il fallait attendre 20 minutes. Et j'ai attendu plus et ça me brûlait. Et plus je mettais de l'eau, plus je voyais des cheveux tomber. Oh là là. Et du coup, j'avais des trous. Là, c'était long. Là, c'était court. Là, j'avais des trous. Oh là là. C'est pas bien. Les cheveux, c'est des bêtises des cheveux. Quelle est la qualité qu'on a pris de toi? Peut-être qu'on te laisse répondre et après nous on dira. La qualité, je peux dire. Ou l'est, hein. Ou les galets, ouais. Et ça peut ne pas être la même qualité pour l'une et pour l'autre. Oui. Pour vous deux, je peux dire que vous avez pris mon côté humain, côté chaleureux avec les autres. Social aussi, et aider l'autre, sensible envers l'autre. Voilà, la première qualité. Après, d'autres qualités, c'est vaste, c'est grand. Je suis contente de la chance. Elle est trop mignonne. Et après, quel est mon côté, donc c'est très bien. Alors, pour toi, je dirais la joie de vivre. Moi, oui. Plus ça. Parce que, bon, le reste aussi, hein. Là, la sensibilité, la gentillesse et tout, mais la joie de vivre, vous êtes souriant tout le temps et tout, toujours en train de rigoler. La joie de ça. D'accord. Et pour toi, ben, en fait, je rejoins maman, en fait, c'est le côté grand cœur, tu vois. Généreuse. C'est vert. Et du coup, c'est un peu de famille, vu que grand-mère, elle est comme ça. Ouais. Voilà, et le grand-père aussi, et oui, toute la famille, et du coup, je transmets ce qu'on m'a transmis aussi. Voilà. Alors, la prochaine question. Est-ce que Flora sait parler sa langue maternelle? Donc, Bayana Sosui. Bayana Sosui Flora. Bravo!
Donc, non, mais il faut savoir que je parle pas Kotokoli. Enfin, les salutations, je peux répondre juste parce que c'est souvent répétitif. Donc, quand on va te dire comment va un tel, tu réponds juste la même chose. Mmh. À la fia. Donc, à part ça, et je comprends quelques mots par-ci, par-là, manger, l'argent, les mots principaux, quoi. Ouais. Belle. Trois mots, mais sinon, non, je parle pas Kotokoli. Malheureusement. Si tu peux dire une phrase en Kotokoli. Et meze marna tcher 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 ou mbabar nga bovu mo bo apipana meze marna tcher tcher. Donc Kotokoli, c'est la langue Kotokoli qui veut dire je remercie tous les abonnés qui suivent ma fille. Je suis heureuse pour elle et merci pour votre suivi. On vous aime beaucoup. Hein. Oh, c'est beau. Qui de nous trois est la plus susceptible de raconter un secret? C'est ma ou pas? On a raison ou pas? Si vous avez raison, là, je vais pas dire non parce qu'elles m'ont topé hier seulement. Elles m'ont topé hier, voilà. Quand tu lui dis, tu dis pas et tout, nanana. Et après, quand elle va te raconter l'histoire, elle-même, elle va dire, ah oui, donc j'ai raconté à... Je me vends toute seule. Oui. Mais c'est après, vrai. Non, tu ça va, sinon tu sais quand même garder les secrets. Tu dis dans le cadre familial, quoi. Oui. C'est vrai. Qui de nous trois est la plus patiente? Vous deux, pense. Peut-être. Bah, si, t'es patiente. Hein. Si, c'est vrai. Oh, je dirais toutes les trois, parce que la patience, on a. Oui. Toutes les trois patientes. Si. Moi, je dirais maman. Maman, et encore. Hein. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça change des situations, mais. Peut-être que ça dépend des fois, parce que je sais que des fois, par exemple, je lui parle de projet. Oui. Et après, dès qu'elle va m'appeler, parce que souvent les projets c'est sur le long terme, oui. Ou ça met du temps entre le moment où t'en parles et le moment où ça se crée. Et dès que je lui ai au téléphone, alors, ça y est, ça va. Je suis obligée de lui dire, attends. Donc, ça dépend des fois. Ouais. Mais bon, après, comme tu travailles avec les enfants, je suis obligée d'être patiente. C'est une des qualités premières. Oui. Donc, oui, voilà. Allez, quand même, maman. Combien de sœurs et frères as-tu? Qui veut répondre? Vas-y. Bah, du coup, j'ai ma sœur et il y a mon petit frère qui n'est pas là. Cédric. Coucou, Cédric. Mais oui, non, ça, on s'entend bien. J'ai de la chance, ils s'entendent bien. Enfin, plus jeune avec Cédric, peut-être. Cédric et moi, moins. Oui. Non, que ça Oui, vous avez que deux ans d'écart, donc c'est des chamailles. On se chamaillait beaucoup. Oui. D'enfants. Mais je pense que c'est par rapport à la jeunesse. Ouais. C'est ça. On se chamaillait, mais sinon, aujourd'hui, tout va bien. Mais c'est vrai que comme Cédric, c'est un garçon. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes liens. Voilà, c'est ça. Bah oui, le pauvre, c'est le garçon entre filles, c'est pas beaucoup. Alors, avez-vous un projet en complément de la maternité au Bénin? Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà Alors, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, ma sœur est en train de construire une maternité dans le village de ma grand-mère. Du coup, c'est presque terminé et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est un gros projet familial. On bosse tous ensemble, maman, papa aussi. Donc, c'est déjà beaucoup. Si vous voulez nous aider, on a un site internet. On peut faire des dons et comme ça, on aura plus de projets. C'est l'association Kélina, je vous mettrai là. Alors, la prochaine question, qui de nous trois est la plus sociable? La plus sociable, qui de nous trois? Nous trois, je dirais. Nous trois, mais je dirais aussi peut-être maman.
Bah, moi, je dis nous trois parce que, bah, comme je disais dans l'autre question, vous êtes généreuse, vous êtes patiente, vous aimez les gens. Donc, oui, mais... social, c'est un peu ça. Oui, on est, je pense qu'on est toutes les trois sociables, mais la plus de sociable, je pense que c'est peut-être maman. Peut-être. Parce qu'elle aura plus la facilité à... Alors, par exemple, exemple tout bête, à l'époque, quand j'avais été élue Miss France, moi, je vais pas le dire aux gens, ou je... enfin, si les gens viennent me parler, je répondrai gentiment, et tout, etc. Mais j'étais plus timide avant, donc j'étais moins dans la discussion. J'étais juste merci beaucoup. Alors que maman, elle, c'était plus... Ah oui, oui, elle était Miss France, oui, oui, C'est ma fille. C'est toi. Et avec mon travail aussi, on est obligé d'aller vers les parents pour échanger sur les enfants, les enseignants, les réunions. Donc, c'est vrai que j'y vais facilement vers l'autre. Parce que moi, je suis... J'ai cause facile. J'attends, j'observe. Alors, la dernière question. Qui de nous trois est la plus maladroite? Ouf, maladroite. Maladroite dans le sens où on peut se cogner, casser des choses, etc. Ah, c'est vrai qu'on peut être maladroite, se cogner, ou maladroite, on va dire on dit quelque chose et après on se dit, ouf, fallait pas le dire. J'aurais pas dû dire. Peut-être moi, si c'est ça, peut-être. Est-ce que tu fais des gaffes des fois? Oh, des gaffes en famille. Des gaffes en famille, c'est ça, en famille. Voilà, ça se rejoint, des gaffes en famille, parce que mon mari, le papa peut dire, on ne dit pas ça aux enfants en attendant. Oui. Et après, bah, quand je les ai au téléphone, bah, je lâche. Ah, ça rejoint. Ça rejoint. En famille. D'accord, ben c'est toi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est passé vite, hein. Ça passe vite. Alors, est-ce que tu as aimé cette vidéo? Oh, très bien, les filles. Allez vous abonner à sa page Instagram. Ah oui, elle est hyper connectée. Abonnez-vous aux deux. Voilà, moi je suis derrière. Elle suit tout. Bah, je vais vous mettre sa page Instagram. Et vous allez aller voir et vous abonner également. Et je vous aime parce que je suis aussi. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, vous pouvez nous dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos avec notre maman. Dites-nous en commentaire. Et puis, il faut proposer ce que vous voulez, par exemple, des sujets, des thèmes, et puis des défis. Tu vas relever Oui, je vous suis. Pour vous, je suis prête. Donc voilà, on soutient la chaîne comme d'habitude en likant, en commentant, les petits pouces, et aussi en s'abonnant si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Au revoir.